Ici, nous sommes à la piscine vénitienne de Miami, plus exactement de Coral Gables. C'est la grande ville qui est au sud de Miami, qui fait partie de l'agglomération de Miami, qui est le cœur de Miami même, on peut dire, qui a été construite, cette piscine, en 1924 par George Merrick dans son souci de développement du quartier de Coral Gables comme une ville méditerranéenne. Donc elle s'appelle la piscine vénitienne, elle est absolument magnifique. De quel que côté qu'on puisse la visiter ou la photographier. L'eau est fraîche et très agréable. C'est vraiment un endroit fabuleux, un des 10 endroits vraiment à visiter absolument quand on vient à Miami. C'est une piscine municipale, l'entrée coûte quelques dollars. Et voilà. Par contre, elle est fermée au cœur de l'hiver pour des raisons de fraîcheur, justement.